l'exposition l'année dernière. Je rencontre au pavillon d'Angleterre une blonde exquise dont la vue me ravit. Elle sortit, je sortis et je la suivis. Sachant un petit peu parler anglais, je lui fais « Hello, mamselle, me pretty girl, I love you. Hello, mamselle, me too happy, bien for you. Come in, oh my sweetheart, you try very much nice. Oh, darling, j'ai des livres sterling, mais elle pénètre dans le pavillon italien. Je pensais peut-être qu'elle est de Rome ou de Turin, m'exprimant assez bien en italien. Je lui dis, oh ma bella, ti vienti, oli, Angela mia, on fera des folies. Solo mio, si t'aimes les raviolis, viens chez Bocardi. Je la suis au pavillon des tabacs, puis au pavillon des Pays-Bas. Mais au pavillon de l'Allemagne, la voici. Est-elle de Berlin, me dis-je, entrant aussi. Je sais un peu d'allemand, allons-y. Et je lui dis, au blanc de Gretchen, rendez-vous, accepte reine, on se lâche de Pilsen. Allez, une grosse choucroutaine, grosse délicate de scène, une grosse saucissaine, ma Gretchen, c'est grave, je vous emmène. Elle se dirige vers le pavillon marocain, cela m'oblige à lui dire en marocain, salam alek, chouya, oh ma Fatma, si tu viens dans mon goum, chisseraiton, si tu iraha loukoum, sur joli tapis et en bras, nique-nique à la koufa, mec tout binchala. Elle va légère vers le pavillon chinois, je persévère. Et je lui dis en chinois, elle s'engage dans le pavillon papou. Je sais ce langage. Et je lui dis en papou, alors la blonde, enfant, en se tordant, dis-tu, ferais mieux, tu sais parler en français, aux langues exotiques. Je n'entrape que prix à la gare, et va donc grand ballot, moi je suis de Montparnasse.